Le nord. Le nord, ça comprend beaucoup de choses différentes, telles que le girl power, le pouvoir du féminisme. Mais il y a diverses sortes de féministes, en fait, hein. Ici, par exemple, en Belgique, c'est le pays de ce qui est de l'ordre du divers, de la diversité, du modernisage, tout ce qui est moderne. Et ici, par exemple, ce que j'ai dessiné, parce que c'est une œuvre d'art à moi, mais elle n'est pas principale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'éléments de choses dessus, donc je n'y tiens pas énormément, mais j'ai dessiné diverses sortes de vierges. Des vierges, comme Saint Vierge aussi pourrait exister. En fait, tout cela, ce sont des croyances personnelles. Ce qui est le plus important, en fait, c'est d'avoir ici, bon, je ne sais pas ce qu'il a à l'écran, peut-être qu'il est un peu flou. Maintenant, je crois qu'il y a un souci. Mais je m'enregistre avec de l'aluminium et des choses comme ça parce que j'ai des problèmes de santé, donc je ne regarde même pas l'écran. Parce que je crève de mal aux yeux. Et ce que je veux dire, par exemple, il y aurait un groupe qui serait anonyme, qui s'appelle BDLV, donc je ne cite pas le nom, qui a un rapport avec la violence. Mais, comment dire, ici ce sont d'abord des artistes avant qu'ils soient violents, donc je veux dire, ils ne sont pas sérieusement violents. Et puis, il y a un féministe dans le groupe. C'est très amusant, des fois il porte un ruban sur lui, un ruban noir par exemple, qui symbolise l'anti-violence. Donc c'est très amusant. Donc je veux dire, ce qui peut être amusant, c'est autant l'univers de la violence dans l'art que le modernisage. Et autant aussi avoir une croyance personnelle au-dessus. Le Nord, en fait, le Nord, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend le pouvoir du petit, le simple. Et puis je vais m'arrêter là. Voilà. J'ai surtout fait cela parce qu'il y a 36 000 contacts qui me manquent et que je vous embrasse. Merci, il ne faut pas non plus oublier que la Vierge est là avant tout, avant la violence, avant ce qui nous tire vers le bas, avant l'impureté, et avant surtout les conneries et les rires. Hein, parce qu'on ne sait jamais quand on se sent trop jeune ou trop vieux. Parce que c'est comme ça, hein, la vida. Voilà. Village, je vous embrasse.